Si tu passes là-bas, vers là. Où les vents soufflent sur la frontière. N'oublie pas de donner le bonjour. À la fille qui fut mon amour. Si tu croises les troupeaux de rennes, vers la rivière, elle était finissante. Assure-toi qu'un bon châle de lait la protège du froid et du vent. A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? Qui dansait jusqu'au creux de ses reins? A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? C'est ainsi que je l'aimais bien. Je me demande si elle m'a oublié. Moi j'ai prié pour elle tous les jours. Dans la lumière des nuits de l'été. Et dans le froid du petit jour. Allez, Hugues. Je me demande si elle m'a oublié. Moi j'ai prié pour elle tous les jours. Dans la lumière, la nuit de l'été. Et dans le froid du petit jour. Tu passes là-bas vers le nord. Où les vents soufflent sur la frontière. N'oublie pas de donner le bonjour. À la fille qui fut. Mon amour. La fille du Nord de Bob Dylan, réinventée ce soir par Yves Duteil et Hugo Grey. Ah, c'était grandiose. Ah, incroyable, incroyable. Mais c'était beau ce qu'on a fait là. Ouais. C'était bien. C'était un moment suspendu dans le temps. Merci à tous les deux, vraiment. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est comme si on bouclait la boucle. D'abord, il y a, on vient de voir Régine qui m'avait emmené à New York, moi aussi. Et j'ai, avec Hugues, quelque chose de très précieux. En fait, mes parents m'avaient envoyé à Arcachon en vacances, 1966. Et je vois à l'affiche Hugo Frey. J'avais écrit mes toutes premières chansons.
Et puis je suis allé, j'étais assez gonflé, je suis allé voir les journalistes, et je leur ai dit, ben, je chante, etc. Alors viens, et puis c'est toi qui vas interviewer Hugues. Et je t'ai interviewé en 1966. C'est fou. Et tu m'as donné l'adresse de ton éditeur parisien, que je suis allé voir, et ça a été la première marche de l'escalier qui m'a mené jusqu'ici. Incroyable, cette histoire. Je viens de l'apprendre, là. Je viens d'apprendre. Vous avez le destin, vos destins liés. Non, mais... Il est un très grand poète. Il a écrit des chansons avec une langue absolument admirable. Que vraiment, j'étais surpris de t'entendre chanter ce soir. C'était vraiment une vraie surprise. Ouais. Et puis en plus de ça, c'est un très bon guitariste. Oui, bah oui, je vois voilà. Ça. Non, mais il fait partie de la famille de ces, on va dire, les troubadours. Renaud, voilà, Kardec, voilà. Il n'est plus là, Maxime. Laurent Voulzy. Touchons, tous, on est tous, on a tous été, voilà. On est tous un peu tes enfants. Voilà. Vous avez quel âge, Hugues, en fait, depuis tout à l'heure, on se demande. J'ai 93 ans. C'est vraiment de beau, c'est un jour pour mon anniversaire, il m'a appelé et il m'a dit, je ne sais pas combien tu as, mais tu ne les fais pas. Mais vous savez que je crois que vous chantez du Yves Duteil, vous aussi, hein. Ben, il le chante tellement bien que... Quoi? Non, mais honnêtement... Vous n'avez jamais chanté « Prendre un enfant par la main ». J'ai dû chanter Yves. C'est une tellement belle chanson. Oui. C'est un thème extraordinaire. Vous me voyez je bien, la connais, fait, hein. Je la connais, mais je ne sais pas la chanter. C'est difficile de chanter après du thème. Non, mais moi, je viens chanter. Ah ben moi, allez-y. Prendre un enfant par la main pour l'emmener demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant pour soi, en regardant tout au bout du chemin. Pour le sien. Merci infiniment. Merci Yves. Yves, vous êtes en préparation d'un coffret avec l'intégrale de vos textes et de vos chansons. Vous serez en concert en mai 2023 et votre livre, Le chemin de la liberté, est toujours disponible. Absolument. Merci infiniment. Yves, je vous ramène avec moi. Merci beaucoup. Merci.